aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis trop contente parce qu'en fait c'est un petit peu un nouveau concept que j'ai envie d'amener sur ma chaîne. Fin janvier je vous avais fait une vidéo vlog où je vous faisais un peu un update sur ma vie, comment je me sentais, etc. Et c'est vrai que bah déjà vous aviez beaucoup aimé. Et en fait c'est vrai que sur ma chaîne bah je fais pas mal de vidéos, mais il y a souvent un thème particulier à chaque vidéo. Je me suis dit pourquoi pas avoir un rendez-vous avec vous à chaque fin de mois. Donc ça sera la dernière vidéo du mois, un vlog un petit peu update de comment je me sens, ce qui s'est passé dans le mois, un vlog de ma journée où on peut vraiment discuter ensemble sans thème particulier. Aujourd'hui on est mercredi, c'est un peu une journée off pour moi parce que je voulais vraiment réserver cette journée pour tourner cette vidéo et être tranquille sans trop de stress. J'ai quelques mails à faire et une miniature à faire aussi, mais sinon j'ai rien d'autre, donc ça c'est cool. Ce matin du coup je me suis réveillée, j'avais pas trop envie de faire du sport, donc j'ai fait juste des petits étirements parce que j'avais des courbatures d'une séance que j'avais fait il y a 2 jours. J'ai testé une nouvelle recette de pancake, healthy, qui était incroyable, je vous la mettrai en barre d'infos, c'était hyper bon, vraiment hyper bon, je pensais pas. Je me suis préparée, d'ailleurs j'ai fait des boucles avec l'espèce de brosse GHD, c'est incroyable, j'adore le rendu, c'est hyper naturel, ça fait un peu genre brushing, enfin je sais pas, j'aime trop le résultat. Dites moi ce que vous en pensez. Il est déjà tard donc je pense que je vais ranger un peu ma cuisine parce que j'ai pas rangé depuis les pancakes, et je vais me faire à manger pour ce midi parce qu'il est déjà 13h je crois, ça passe trop vite le temps. Faire à manger et je suis trop contente de vous dire que je suis en collaboration avec HelloFresh. J'ai reçu mon carton plein de bonnes choses. Pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, c'est hyper simple. Quand on n'a pas d'idée de recette et qu'on veut pas mettre beaucoup d'argent dans ses repas et qu'on a la flemme de faire les courses, c'est exactement ce qu'il faut. Le principe, c'est des box repas à cuisiner qu'on vous livre directement à la maison. Vous pouvez même choisir l'horaire de livraison, etc. C'est hyper bien fait. C'est un abonnement du coup que vous pouvez 100% personnaliser. Là par exemple, j'ai choisi 5 repas pour ma semaine. C'est le maximum que vous puissiez faire sur le site. Un repas coûte en moyenne 3,65€ et tout est hyper frais. On est vraiment sur des plats hyper bons, hyper frais, qui nous font plaisir et vous pouvez surtout personnaliser. Moi par exemple, je sais que mon critère numéro 1 c'est que ce soit des plats rapides à cuisiner, donc je peux choisir les plats qui se font seulement en 20 minutes. Vous avez la version healthy, la version familiale, vous avez plein de versions différentes. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, tout choisir, annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, enfin vraiment tout est vraiment très clair. Vous pouvez aussi modifier les portions. Moi j'ai les portions pour 2 personnes, c'est le minimum, et après vous pouvez mettre pour bien plus si vous êtes plus à la maison. J'ai mon petit menu, franchement j'adore, j'aime trop. On a une recette veggie de pâtes, on a une salade thaï aux émincés végétariennes, les lasagnes poireaux épinards, et on a le risotto aux champignons. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire le risotto. Donc là ils me disent que c'est environ 25 à 35 minutes de préparation. Let's go. Les champignons, la crème, il y a tout. Le gros plus c'est qu'il n'y a pas de gâchis parce que c'est vraiment pile les bonnes doses pour 2 personnes, donc c'est trop cool. Trop beau, je suis hyper fière de moi. Et vous voyez, typiquement, jamais j'aurais eu l'idée de faire un risotto. Alors chercher une recette et faire les courses pour ça, encore moins. Et en plus j'en ai pas eu pour cher, donc vraiment j'aime trop ce concept. Je suis fière de moi, j'espère que c'est bon parce que sinon c'est un peu dommage. Trop bon. Si jamais ça vous intéresse, vous doutez bien, j'ai un code promo pour vous. C'est le code HelloAndy qui vous offre jusqu'à 80€ de réduction sur les 3 premières box. Tout ça en utilisant mon code promo et en cliquant sur le lien en barre d'infos. Moi je vais manger ça parce que j'ai trop faim, c'est trop bon. Je suis en train de me tracasser sur une horrible miniature. Je la trouve tellement moche, mais il faut que je la fasse parce que ce soir il y a une nouvelle vidéo qui sort. Il faut absolument que je fasse ça avant de continuer cette vidéo. Normalement j'ai de l'inspiration pour les miniatures, mais là j'arrive pas. Ça arrive parfois.
Ok, ça y est, j'ai enfin réussi à faire ma miniature. C'était hyper galère. Bref, je vous présente ma tenue du jour. Tout vient de chez Naked. Il n'y a pas de lumière aujourd'hui, il fait trop moche. Et j'aime trop cette tenue avec le petit jean, avec les fentes sur les côtés. Je voulais vous faire une confidence. J'ai vraiment honte, mais je le fais quand même. Regardez juste l'état de mon tiroir. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment atroce. Je déteste quand ma salle de bain est dans cet état-là. Là, à la base, c'est censé être l'endroit pour les pinceaux. Là, le maquillage. Là, les palettes. Sauf que là, il y a des masques. Il y a tout et n'importe quoi. Là, c'est une trousse avec des produits que je dois tester qui sont tout neufs. Et en fait, dans mon placard, qui est lui, laissez tomber le bordel. J'ai encore d'autres trucs à tester. Enfin, c'est une réelle angoisse. Mes placards sont pleins et je donne plein de trucs tout le temps à tout le monde, c'est hyper grave. Et là j'ai des colis à rendre, c'est le bordel. Donc on va essayer de trouver une solution à tout ça. Espérons qu'on réussisse à faire quelque chose. Attendez, avant je me suis acheté un ensemble de jogging. Ça sert à rien que je vous donne la marque parce que j'ai commandé les derniers, ça n'existe plus, je suis désolée. Mais du coup je les ai reçus aujourd'hui et je les ai pas encore essayés. J'aimerais trop essayer, comme ça me fait une tenue pour faire mon petit rangement. Je trouve ça pas mal, par contre c'est hyper grand. Le pantalon je l'ai serré à fond. C'est du S, ça fait 1m73, regardez comment c'est hyper long. Mais c'est confortable et je trouve que c'est joli au final, c'est très oversize. Let's go pour mon ménage. Je vais enlever l'étiquette. J'ai terminé, j'ai nettoyé tous mes pinceaux, mon Beauty Blender, même s'il a l'air encore un peu sale, mais bon, faudrait que je le change en fait. D'ailleurs, meilleur nettoyant pour les pinceaux, j'achète ça chez Monoprix, incroyable, vraiment, ça change tout. Mon tiroir, tadam ! Alors, j'ai mis mes masques en tissu ici, mon maquillage, là je mets tout ce qui est pour le teint, yeux, lèvres, sourcils. Ici, tous mes produits make-up neufs que je dois tester ou des recharges, par exemple ça. J'ai mis mes palettes et ici en fait ce que je fais c'est que je mets genre un sopalin que je change régulièrement et c'est là où je pose mes pinceaux à plat. Voilà. En dessous, je me suis occupée que de ce bac, mais du coup c'est le bac de mes produits en recharge, par exemple le baume à lèvres, la neige que je mets tout le temps. Bah c'est pareil là, voilà, c'est que des recharges. Et dans ce tiroir, j'ai mis en fait, bah pareil, les recharges par exemple là d'une cure de complément alimentaire et du maquillage que j'utilise pas forcément tout le temps pour que ce soit là-bas. Et là une trousse avec du maquillage qui n'est pas à ma teinte, donc que je garde pour l'été. Donc voilà mon rangement, je suis contente, ça fait longtemps que je vois ce placard et que je me dis punaise, il faut faire quelque chose, j'en peux plus. Par contre j'ai pas compris ce qui s'est passé, il fait déjà nuit. Bon, je suis en retard, je vous explique le programme, je vais juste me faire des petites retouches, make-up et vite fait coiffure et m'habiller avant de partir. J'ai 10 minutes là, avec Jérémy on va au restaurant ce soir avec des copains et ça me fait trop plaisir parce que en ce moment franchement j'ai grave pas le temps d'avoir une vie en dehors de YouTube et de tout ce qui se passe et je suis trop contente. Enfin en vrai de vrai je m'en fiche parce que j'aime trop ce que je fais donc c'est pas dérangeant, je me dis pas genre oh, je profite pas et tout parce que pour moi je profite tout le temps. Mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de déconnecter. Je suis contente de voir un peu du monde et du coup on a décidé d'aller manger un ramen. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis fan de ramen, mais alors fan. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de comment je me sentais en ce moment. Il faut que vous me disiez bien sûr en commentaire parce que je parle pas toute seule, comment vous vous sentez en ce moment, comment s'est passé votre mois. Si vous avez vu ma dernière vidéo de fin janvier où j'expliquais comment s'était passé mon mois, c'était vraiment pas ouf. Et en fait j'ai juste relâché la pression de ouf parce que je me mettais grave des guerres sur les sujets de vidéos que je voulais faire, sur plein de trucs. Et j'ai pris soin de moi ce mois-ci, j'ai pris du temps pour des trucs à la con, mais genre faire un masque le soir, regarder une série, ce genre de trucs que je faisais plus du tout. Et en fait ça m'a fait trop du bien. J'ai fait du sport que quand j'en avais envie, je me forçais pas à faire ma morning routine hyper tôt. C'est difficile parfois de savoir si genre on est fatigué mais en fait on a la flemme et qu'on peut se déterrer un peu plus et donc se réveiller tôt même si on est fatigué, ou si vraiment notre corps a besoin de dormir. Là j'arrive à faire la différence des jours où j'ai pas trop d'énergie mais quand même je peux faire un peu de sport, me réveiller tôt, des jours où j'ai vraiment besoin de pas faire de sport, me réveiller un petit peu plus tard, et j'ai réussi à trouver un peu l'équilibre qui me fait du bien. Et je vais vous dire un truc, plus je touche le fond, plus je descends bas dans ma vie, plus j'arrive à remonter la pente encore plus haut que là où j'avais été. Je sais pas si c'est très clair, il y a sûrement une expression pour expliquer tout ça, mais bon, c'est expliqué à ma manière. Il y a eu des périodes de ma vie assez sombres où j'étais vraiment mal. Plein de moments où vraiment j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Et en fait quand je sortais de ce truc, j'étais pas genre juste redevenue normale, j'étais encore mieux. Et ça c'est chiant à entendre, mais je vais le dire quand même, je m'en fous. On apprend toujours de nos erreurs et vraiment on rebondit beaucoup mieux quoi. Donc gardez ça en tête, même si vous êtes dans une mauvaise phase, c'est hyper chiant à entendre parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais en fait c'est la vérité. Et après c'est trop bien. Donc voilà quoi, je vous recommande de faire des erreurs. Bon,
par contre il faut apprendre, faut pas refaire les mêmes erreurs toujours sans cesse toute sa vie. J'aime trop cette brosse, je suis fan, vous voyez le rendu depuis tout à l'heure. Et je vais rejoindre Jérémy à pied, je voulais pas qu'il vienne me chercher. Comme ça je marche parce que je suis pas sortie aujourd'hui de la journée. Ça c'est pareil, ce mois-ci j'ai vraiment essayé de plus marcher maintenant qu'il fait un tout petit peu plus beau. Pour ceux qui travaillent de la maison, je pense qu'on peut se comprendre. Et j'ai découvert que le faire le midi, ça m'aidait. Après je sais que ça peut pas forcément parler à tout le monde parce que quand j'étais en cours, j'allais pas faire une petite marche le midi, enfin ça n'a aucun sens. Je mange en 20-25 minutes et après je vais marcher 20-25 minutes. Et hop, j'ai fait ma marche du jour. En tout cas cette brosse elle est incroyable. Je vais m'habiller parce que je suis très en retard et on va y aller. Je suis sortie de la douche, il est hyper tard, mais je suis trop contente, j'ai passé une hyper bonne soirée. Je m'étais dit que j'allais vous faire ma skincare routine du soir. Produit incroyable, incroyable. Je sais pas comment ça se dit, Paula Choice. J'ai pas les mots pour décrire cette lotion. Franchement, elle est ouf, ouf, ouf. Elle fait en fait un teint hyper glowy. Je me fais ma skincare routine. Je bois une petite infusion. Ça c'est une infusion genre digestion. Je trouve ça bien avant de dormir parce que je me rends compte que quand je mange tard ou que je mange trop, je dors moins bien. En vrai c'est logique, quand on digère forcément on dort moins bien. Ensuite en ce moment je mets le glycolic acide traitement de chez Sunday Riley. Je mets une pompe sur tout mon visage, c'est un sérum. En ce moment je prends beaucoup plus soin de moi. Je me suis vraiment rendu compte que mon alimentation ça jouait sur trop de trucs. Là j'ai vraiment décidé de mieux manger, en tout cas d'essayer, et je sais pas, je me sens trop bien dans mon corps, c'est vraiment un ressenti, genre je me sens trop bien. Prochain produit, le sérum de nuit L'Occitane pour le contour des yeux. D'ailleurs j'ai bientôt un code promo pour vous pour ce produit. Ensuite l'huile antioxydante Superfood de chez Sunday Riley. Ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi j'utilise une huile. Je vais faire mon gua sha. Genre de septembre à décembre, je l'ai pas beaucoup fait. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis un peu laissée aller pendant cette période. Bah, j'étais à New York, etc. Donc clairement, j'avais d'autres choses à faire que mon gua sha. Mais là, depuis genre un mois, je le fais à fond. Mais à chaque fois que je reprends le gua sha, je me dis, mais punaise, mais pourquoi j'ai arrêté? Ça me change le visage. J'ai un visage beaucoup plus fin. Vous me demandez aussi beaucoup au bout de combien de temps on voit les résultats. Et moi, je dirais au bout de 3 semaines. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo complète à ce sujet parce que ça m'a vraiment aidé. Et aussi ce que je fais en ce moment qui m'a changé la vie. J'ai arrêté d'aller sur mon téléphone avant de dormir. Je pensais pas pouvoir réussir à mettre ça en place un jour. Déjà que c'est mon outil de travail, en plus bah honnêtement je suis addict à mon téléphone. J'avais pris pour résolution de 30 minutes avant d'aller me coucher, de le mettre en mode avion, de dire bonne nuit à tout le monde. Je vous explique, dès la première nuit, ma vie a changé. J'étais beaucoup moins stressée. En fait, tu vas te coucher, le cerveau apaisé. Et deuxième étape qui a changé ma vie, laisser mon téléphone en mode avion au réveil. Ça, ça a tout changé aussi, du réveil jusqu'au moment où je me douche. C'est en mode avion, donc il y a à peu près 2 heures. Et donc pendant 2 heures, c'est énormissime. Normalement, j'allais sur mon téléphone au réveil, les yeux comme ça. Et je l'ai fait pendant genre 2 jours. Je me suis dit, ok, ça me change la vie. J'étais beaucoup moins stressée. Donc je me suis dit bah en fait je vais pas arrêter. Et c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas arrêté. Ça c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ce mois-ci. Je suis beaucoup mieux depuis que je suis moins sur mon téléphone. Si vous avez besoin de vous éloigner des écrans, faites-le, on s'en fiche, des vidéos YouTube, d'Instagram, de tout. Oh, j'ai un produit de ouf à vous montrer. Oh là là, il faut trop que je vous montre. J'adore cette vidéo, j'adore mon nouveau concept. J'ai d'ailleurs un autre nouveau concept, un peu voyage, je vous en dis pas plus. J'ai extrêmement hâte. Mais en tout cas, j'aime trop ces histoires de dernière vidéo du mois. C'est un update. Comment ça s'est passé? Les nouveaux produits que je teste. Je trouve ça trop bien. Genre, je prends grave le temps. Produit incroyable. Je vous en ai déjà parlé. Mais le Revitalash. Et en fait, là, je vous dis qu'il est incroyable parce que je vois les effets. Mais mon dieu, je sais pas il y a combien de temps. Je vous avais dit, je recommence une cure. Mais mes cils n'ont jamais été aussi longs. Genre, ils sont hyper long. Je vais vous montrer. Moi, je le mets bien aux racines comme ça. Ça coûte hyper cher. Par contre, préparez-vous, vous allez vendre votre rein. C'est un investissement. Mais quand je vous dis que c'est hyper efficace, ça, c'est vraiment un miracle. Et pourtant, j'ai les cils assez longs. J'ai pas forcément besoin d'avoir les cils encore plus longs. Mais en fait, ça fait des cils de ouf. Je peux pas vous expliquer la sensation. Je vous jure, ce produit, miraculeux, miraculeux. Moi, j'ai les yeux sensibles. J'ai fait pas de réaction allergique. J'ai rien tout ça. Mais je sais qu'apparemment, il y a des gens à qui ça convient pas. Donc faites quand même faire attention. Sinon, incroyable.
Dernier produit, c'est une gelée de soins hydratante de chez Phyto. Je suis surtout extrêmement fan de la texture et de l'odeur. Ça sent trop bon et je mets ça sur mes cheveux. De temps en temps, j'oublie, hein. Mes cheveux, j'avoue, j'en prends beaucoup moins soin que ma peau. Mais j'aime quand même ce produit. Bref, voilà pour ma skincare routine. Vous voyez la peau glowy que ça me fait. Je vous jure, là, je suis dans une bonne phase de peau. Je touche du bois. Et j'ai une routine complètement différente le matin. J'utilise plein de produits d'autres marques que je teste et qui sont trop bien. Je vous montre. Bah, dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. On va aller se coucher, Miso. Là c'est l'heure, il est tard. Il est très très tard. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce nouveau concept vous plaît du coup. Je suis curieuse de savoir, c'est quand même important. En tout cas, il y a plein de vidéos trop cool qui arrivent. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, aller sur des nouveaux concepts, des nouveaux sujets et bah aussi voir si ça vous plaît. J'ai envie que tout le monde soit content. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Je poste toujours 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram. On a dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram. Merci beaucoup, vraiment je suis hyper contente. Et j'ai prévu de vous faire un concours, je sais déjà ce que c'est. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas pour pas le louper également. Et j'essaye toujours de répondre à un maximum de messages comme je peux. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.